servi ce verre d'alcool pour dire à Henri Konan Bédié, voilà ce qu'il est. Lorsqu'il deviendra président un jour, les gens retourneront encore ce qu'ils savent bien faire de trop, c'est-à-dire boire l'alcool, les maquis. Au lieu de faire pousser les sociétés, au lieu de faire pousser les talentueux en Côte d'Ivoire, au lieu d'innover dans la technologie, oui, dans le numérique, non, Henri Konan Bédié, au contraire, il va encourager les jeunes à aller boire Bangui Blanc, à aller boire Koutoukou, aller boire la bière, aller boire le vin. C'est tout ce qui s'est fait. Nous l'avons connu dans les années 90, on n'était pas encore bébé. On savait, et on connaissait Henri Konan Bédié, on savait ce qu'il faisait. Il était incompétent. Il n'a même pas pu faire un petit pont. Une petite route, jamais. Il a fait 8 ans au pouvoir, Henri Konan Bédié, sinon que 6 ans. Il n'a pas réalisé quoi que ce soit. De 91, de 93 ans à 99, je pense qu'il a pu faire au moins 6 ans au pouvoir. Il n'a pas pu réaliser quoi que ce soit. Oh, pourtant, Alassane Ouattara, la différence, l'honneur, oui, le talentueux, l'énergie palpable. Alassane Ouattara, le merveilleux. Alassane Ouattara, le clair. Alassane Ouattara, la lumière. Alassane Ouattara, cette foudre qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le tonnerre. Ce monsieur qui fait tout pour les Ivoiriens, il nous a prouvé qu'en moins de 2 ans, on pouvait réaliser assez de choses. Au contraire, en Côte d'Ivoire, lorsqu'Alassane Ouattara n'était pas encore président, il n'était même pas encore devenu président, on pensait que la France empêchait les Ivoiriens de développer leur pays. Parce qu'ils nous ont fait nourrir, ils nous ont fait grandir dans cette idée que non, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer parce que nous avons un partenariat avec la France, dans lequel la France gagne que nous, dans lequel la France empêche les pays africains de se développer, dans lequel la France met une pression sur nos dirigeants pour pouvoir empêcher les pays africains de se développer. Mais nous avons vu le contraire avec Alassane. On sait qu'avec Alassane Ouattara, quels que soient les contrats qui lient la Côte d'Ivoire et la France, on peut se développer. Oui, Alassane a fait la différence. La Côte d'Ivoire n'a même pas encore renié les partenariats qu'il y a. La Côte d'Ivoire avec la France, et puis les routes poussent. Je vous dis, les routes poussent. La France n'a pas empêché Alassane Ouattara de construire les routes. La France n'a pas empêché Alassane Ouattara de faire prévoir les universités en Côte d'Ivoire. La France n'a pas empêché Alassane Ouattara de faire pousser les grands supermarchés en Côte d'Ivoire. C'est moi-même qui vais citer. Sinon, en dehors des supermarchés, il y a des entreprises, des banques qui sont dans n'importe quel pays pour s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Les banques pleuvent sur la nation ivoirienne. Écoutez-moi. Tout pleut sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue une terre promise, la nouvelle destination des touristes mondiaux et de l'humanité tout entière. Avec Alassane Ouattara, on a compris que la France ne nous imposait pas son dictat et que les pays africains pouvaient se développer